Ici, en plein centre-ville, tous les produits alimentaires du terroir sont exposés à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Au milieu de ce nombre important d'exposants, la société Agribusiness Activity Abba Shop fait partie des participants avec sa vente de viande porcine. Avec une production estimée à plus de 500 têtes de porc, cette entité n'arrive toujours pas à répondre aux besoins alimentaires du pays. Mais des solutions sont en cours de téléchargement. Pour corriger le tir, nous fédérons tous les éleveurs. Nous fédérons tous les éleveurs, nous améliorons en fait leur cheptel. Nous améliorons le fait qu'ils puissent produire plus de viande, plus de cochons. Donc on les aide à avoir les meilleures techniques pour relever ce défi. Nous formons deux éleveurs, nous sommes sur toute la chaîne de valeur. Notre concept c'est de la ferme à l'assiette. Parce que nous avons les bêtes vivantes et vous avez le produit cuisiné. Et actuellement on forme des jeunes chez nous, du PNPE, qui sont apprentis bouchers. Ils sont venus faire des formations. On a des jeunes aussi qui viennent de EM Gabon, qui viennent suivre la formation chez nous. Une journée qui a permis à ces producteurs de mettre en exergue toutes les difficultés liées à l'alimentation dans le pays. Grâce à cette journée, tous les acteurs du secteur vont pouvoir discuter entre eux et pouvoir améliorer les choses. Pour cette journée était une plateforme de lancement pour l'amélioration de l'alimentation au Gabon. Incontournable au Gabon en matière de production d'huile de palme raffinée et brute, Olam bénéficie d'une plateforme d'exposition. Nous avions tenu à prendre part à ce grand événement. C'est effectivement pour dire aux populations, hein, à la face des compatriotes, que nos produits qui sont mis à la disposition de tout le monde obéissent à un certain nombre de critères. Et ces produits-là, comme vous pouvez le constater, il y en a en abondance sur le marché. C'est une plateforme de visibilité visant à mettre en avant le Made in Gabon pour permettre ainsi aux populations de consommer de plus en plus local.